Si vous avez un ballon, vous le mettez entre vos cuisses. Ce sera un plus pour travailler l'intérieur des cuisses. D'accord? Si vous n'avez pas de ballon, eh ben, vous ne mettez pas le ballon. D'accord? Évidemment. Si j'en ai pas, je ne le mets pas. Alors, là, si vous avez un ballon, vous serrez les abdos. On va descendre comme un squat en appuyant sur le ballon pour là contracter volontairement l'intérieur de vos cuisses. Vous allez écraser votre ballon là avec l'intérieur en appuyant. D'accord? Donc, je vous fais voir, on descend. Attention, je me mets de profil. On ne descend pas les genoux vers l'avant. Autrement, les rotules ne vont pas aimer. D'accord? Vous risquez de vous blesser. On pousse bien les fesses vers l'arrière, comme si on voulait aller s'asseoir sur une chaise. Je ne vous demande pas de descendre jusque-là. D'accord? Mais je vous demande de pousser vos fessiers vers l'arrière. D'accord? Alors, là, si vous avez un ballon, eh ben, c'est encore mieux. Sur la descente, vous allez écraser votre ballon et vous revenez. D'accord? Si vous n'avez pas de ballon, je n'ai pas de ballon, c'est pas grave, je descends et je reviens. D'accord? Allez, on y va. Pour ceux et celles qui ont un ballon, vous appuyez sur votre ballon, d'accord? En contractant l'intérieur de vos cuisses. On est parti, on descend. On inspire et on souffle. Et moi, j'écrase mon ballon. 2, 3, 4, je souffle quand je suis là en haut, c'est-à-dire que j'ai les jambes tendues avec les genoux légèrement fléchis, déverrouillés, voilà, et je continue, 8, donc je ne vous demande pas de descendre jusqu'en bas, mais d'avoir le bon placement, d'accord? Pas de genou là qui part comme ça vers l'avant, comme j'ai l'habitude de voir, d'accord? Imaginez que vous avez une chaise derrière vous, et là, vous voulez venir vous asseoir sur cette chaise. 6, allez, 5. Et si vous avez un ballon, faites-vous plaisir. Appuyez sur votre ballon un maximum. Allez, on continue encore. 8, 7, 6, on appuie, on écrase ce ballon. Allez, n'ayez pas peur de lui faire mal. Allez, il ne demande que ça. Allez, encore 8, 7, 6, courage. 5, 4, vous soufflez bien. 3, 2, et là vous bloquez. Alors tout petit, je ne vous demande pas de descendre jusqu'en bas. Si vous avez un ballon, vous appuyez là. Voilà, on appuie sur le ballon. On continue. Allez, 8 et contracte l'intérieur de tes cuisses. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et continue encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu reprends les petits. 1, regardez, je descends pas trop, 2, 3, mais par contre, je pousse bien, là, les fesses vers l'arrière, mes genoux sont dans l'alignement de mes chevilles, d'accord? Je n'ai pas les genoux qui partent vers l'avant, d'accord? Ok, on regarde devant soi, voilà, on souffle en haut, 7, 6, 5, courage. 4, soufflez bien. 3, 2, 1, vous restez en bas, tout petit, on bloque, on presse si on a un ballon, on appuie. Si on n'a pas de ballon, on reste en bas, en statique. Courage, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous relâchez. Yes. Relâchez un petit peu. Si vous aviez un ballon, vous devez sentir le travail à l'intérieur de vos cuisses. Vous buvez un petit peu, vous prenez votre tapis, votre serviette et on passe pour quelques exercices au sol. Allez, gardez votre bouteille si vous l'avez. Voilà, elle va vous servir. Allez, et on boit un peu. Ouf. J'espère que ça va chez vous. Allez,
Alors, j'espère que vous allez me voir. Je vais essayer de bien me cadrer.